On va voir ici le moulage d'un fusil en deux parties avec le RTV silicone estampé sous chape de système acrylique. On commence. Pour éviter la formation de bulles, puis on vient poser un tissu de verre spécial de renfort, préalablement trempé dans le système acrylique. Puis quand c'est pris, on découpe les bordures et on retourne l'ensemble. On retire l'argile, on isole avec un petit peu de talc. Puis on recommence les mêmes opérations de moulage pour la deuxième partie du moule. Première couche de sera bien pris, on découpera tout autour au cutter et on perce des trous
de fixation et on procède au déboulage. Alors, les deux membranes sont replacées à l'intérieur de leur chape. On va faire maintenant une épreuve en résine polyuréthane réactive dont la couche de surface sera chargée avec de la poudre d'aluminium. Donc on va préparer un mélange de une part de résine polyuréthane réactive et 5 parts de poudre d'aluminium. On vient appliquer ce mélange à l'intérieur du moule en couche mince. On peut placer éventuellement un renfort, ici on a mis une tige filetée dans le canon. Puis le reste de l'arme sera patiné avec une gomme laque, des pigments, deux couches